bah, je voulais leur faire profiter de mon expérience. Parce que j'oublie pas qu'on a été jeunes, on a eu leur âge, et on a été confrontés à des petits soucis qui pouvaient être le choix d'un club, le comportement après avoir été sélectionné en département, en région, en équipe nationale. Donc je voulais les prévenir, et aussi les avantages qui peuvent être connaître des joies indescriptibles à travers le sport, l'amitié entre équipiers. Et donc voilà, c'était le message que je voulais faire passer. Je pense qu'avant tout, c'est la passion du football. Et puis aussi, il faut être, c'est la pugnacité dans le travail. Parce que bon, on sait très bien qu'il y a des moments faciles, mais il y a aussi souvent des moments difficiles. Et c'est là qu'on voit la force de caractère des joueurs. Mais c'est le goût du travail. Je pense que c'est quelque chose que chacun a en soi ou ne l'a pas. Mais c'est un gage de garantie pour l'avenir. Si je prends l'exemple de Marvin Martin, je pense que c'est le joueur le plus enthousiaste au travail que j'ai connu, et on voit qu'aujourd'hui ça réussit. Bon, totale confiance, parce que bon, aussi bien nos recruteurs sur la région Alsace-Lorraine, ils prospectent, de la même façon que Jean-Robert Fauché fait une sélection, et après dans le suivi, il y a une relation permanente entre le Pôle Espoir et le FC Sochaux. Ce qui fait qu'on peut faire le point de façon régulière sur les joueurs et puis qu'ils arrivent après dans de bonnes conditions chez nous. Je pense que comme dans toute région, s'il y a un bon travail qui est fait par les clubs, après par les Pôle Espoir, par les clubs professionnels, on obtient des bons résultats dans les performances des joueurs. Il n'y a qu'à voir, si on prend la réussite chez nous de Riyad Boudebouze, je veux dire, il était de Colmar et il réussit une bonne carrière, donc ça veut dire que le talent il n'existe pas de chez nous. Maintenant il faut l'aider à prospecter en l'encadrant bien et puis faisant preuve aussi de patience. Bah, je trouve que c'est des interventions très intéressantes, bah, surtout dans le cas où Eric Ellis, quand même quelqu'un qui a un vécu assez important, un passé en tant qu'entraîneur, en formation ou en tant que joueur professionnel, et il peut nous apporter vraiment beaucoup de choses. Bah, j'ai retenu tous les conseils qu'il nous a donnés, tous les pièges qu'il nous a dit à éviter, tout le comportement qu'il faut avoir en formation, le respect envers les autres, toujours être à fond dans ce qu'on fait, voilà. Rester humble, c'est pas parce qu'on joue dans une catégorie supérieure par rapport à notre âge qu'on doit prendre la grosse tête, il faut toujours rester humble et travailler. D'un point de vue personnel, je pense que c'est une intervention qui nous servira plus tard pour les différents pièges de la vie footballistique et puis les différents conseils qu'il nous a donnés, ça peut nous apporter, je pense. Ne pas se perdre avec tout l'argent gagné, respecter les autres et ne pas prendre la grosse tête. J'ai retenu une grande partie de respect et j'ai retenu qu'en formation, c'était beaucoup l'espoir. Et puis au niveau professionnel, l'efficacité. Il faut de la détermination pour réussir. Et je pense que il nous a vraiment bien guidé. Moi, franchement, j'espère que si je réussis, ce sera en partie grâce à lui, car il m'a appris beaucoup de choses aujourd'hui. Ne pas se vanter, par exemple, ne pas croire qu'on est le meilleur, puis ne pas avoir la grosse tête. Ces interventions sont agréables. Ils peuvent nous donner le ressenti sur le monde professionnel. Ils nous donnent des conseils et de l'expérience. De ne pas prendre la grosse tête, de vivre sa passion et de rester humble.